Rollis TV, bonjour Mathieu avec un seul T à l'antenne et bienvenue dans ce Café Rollis. Et puis pour ce Café Rollis qui me tenait à cœur, eh bien nous avons à mon étage Mélanie. Bonjour Mélanie. Bonjour. Et on ne va pas parler de jeux de rôle, enfin si, ça sera ma première question quand même. Nous allons parler de Mélanie traductrice de des nombreux romans, ou des romans épais, comme vous voulez, de Brandon Sanderson, pour faire découvrir cet auteur, ou pour faire donner des anecdotes sur les coulisses de la traduction de ces gigantesques sagas. Alors, la première chose, Mélanie, le jeu de rôle, tu en as fait, tu connais ? Alors, je connais en théorie. D'accord. Je pense que j'aurais adoré ça si j'avais découvert ado, mais il n'y avait personne autour de moi qui pratiquait. Mm-hmm. J'ai fait une expérience de jeu de rôle... une seule fois qui s'est pas super bien passé parce que j'ai du mal avec la prise de décision instantanée, l'incarnation du personnage, tout le côté. Je suis pas quelqu'un qui a des idées là comme ça tout de suite, mais ça me fascine assez, d'autant que j'ai été pas mal bercée par les déclinaisons en jeu vidéo. Que ce soit, j'ai passé beaucoup d'années dans World of Warcraft, j'ai joué à Skyrim, des choses comme ça, donc je suis un petit peu baignée de cet univers-là. Mais j'ai adoré le dernier film Donjons et Dragons, mais j'ai pas la pratique du jeu par contre. Ah bah il y a pas besoin, tu vois. Voilà, regarde, il y a des personnes qui ont acheté des produits dérivés du film Donjons et Dragons. Mais tu as tout à fait raison. C'est une des choses la prise de décision instantanée peut amener des fois des. Mais que doit-on faire ? Que doit-on faire ? Tu as tout à fait raison là-dessus. Alors, ce qui n'est pas une décision instantanée, c'est effectivement quand tu es face à une œuvre dans la traduction. Alors, Mélanie, on te connaît aussi. Alors, tu écris également. Tu es dans l'équipe d'Elbakin avec Lionel Davoust et puis Estelle Faye dans le podcast Procrastination, qui porte, comme je disais, très mal son nom parce qu'il sort tellement, il sort tellement régulièrement. Il y en a un tout dernier qui est sorti sur l'intelligence artificielle et l'intelligence générative. On va mettre un lien avec des propos très très intéressants. Et un épisode où on ne m'entend presque pas d'ailleurs, puisque les deux autres avaient des choses tellement plus structurées et pertinentes que je les ai laissées dire. Brandon Sanderson, est-ce que tu peux le présenter un petit peu ? Parce que c'est le but de cette émission, c'est le but de faire découvrir, de faire redécouvrir ou découvrir sous un certain aspect. Est-ce que tu peux le présenter, le monument qu'il est aux États-Unis ? Par où commencer ? Oui, il commence à être considéré, ce qui n'était pas le cas quand j'ai commencé à le traduire, en tout cas ici, il est considéré comme un des auteurs essentiels de la fantasy actuellement, ça c'est sûr. Mais la différence, je dirais, avec la France et les États-Unis, c'est que là-bas, quand il sort un livre, en particulier un des tomes de sa grosse série, Les Archives de Rochard, c'est numéro un des ventes. Ou en tout cas, ça fait des ventes énormes que à l'heure actuelle, il ne fait pas encore en France. Donc, c'est sans doute un des auteurs majeurs, mais du genre de fantasy actuellement. Il y a beaucoup de choses à dire. Il est impressionnant, notamment par l'ampleur de ses univers. Il est connu essentiellement comme constructeur d'univers et notamment d'un univers très vaste qui s'appelle le Cosner, à l'intérieur duquel il a plusieurs univers secondaires. Et plus on avance, plus il commence à relier ces univers entre eux. Parce que donc, il y a un bon exemple de où on veut relier un petit peu les univers, donc l'ensoleillé, puis on va parler de ces types de romans, parce que ça fait partie des quatre romans mystérieux. Alors, évidemment, tu as traduit et tu traduis le grand cycle, donc les archives de Rochard, qu'on pourra considérer comme étant de la fantasy, un petit peu high fantasy. Mais justement, tu le dis toi-même, il y a par exemple Skyward, donc qui est un cycle de SF young adult qui est un petit peu orienté dessus. Et d'ailleurs, justement, tiens, j'ai une question à te poser, tu vois, là, au débeauté. Très souvent, donc, ce label jeune adulte, et c'est bien dommage d'ailleurs qu'ils aient gardé l'anglicisme, parce qu'on aurait, ça aurait pu. Il y a des moments, alors peut-être que c'est mon décalage de génération, je ne trouve pas que ça fasse tant jeune adulte que ça. C'est-à-dire qu'il y a quand même parfois des scènes, où il y a parfois des. Pas forcément rentrer dans des détails gore, mais je trouve qu'il y a quand même des éléments qui sont. Qui peuvent très bien aller dans la littérature dite pour adultes. J'avoue que ce n'est pas un domaine que je connaisse suffisamment pour avoir un avis tranché dessus ou pour avoir du recul. Il y a une petite différence de ton entre Skyward, effectivement, ou quelque chose comme La Voix des Rois,
Tiens, au fait que le personnage est plus jeune aussi, je pense. Mais il s'y passe quand même des choses assez dures. Alors peut-être pas aussi dures, effectivement, que on peut avoir dans La Voix des Rois, qui n'est pas tendre avec ses personnages. Non. Mais effectivement, il y a quand même une noirceur, quel que soit le... Et il y a également, donc, il y a Légion. Et puis, il y a aussi une série de super-héros qu'il avait pu faire. Mais là, le premier s'appelle Cœur d'Acier, oui, voilà. Ouais, c'est cela. Et tu avais été dessus sur la traduction ? Sur les trois. D'accord. Est-ce que moi, par exemple, Cœur d'Acier, qui était justement quelque chose qui se voulait comme étant jeune adulte, il y a quand même la scène, donc au tout début, hein, on ne dévoile rien, où le père du héros se fait littéralement écraser le crâne. Déjà, si tu dis ça, pour des jeunes adultes, d'accord. Après, c'est vrai qu'au niveau des intrigues, ça va peut-être plus vite dans la résolution, ça prend peut-être moins son temps, et c'est ce qui permet d'avoir... Voilà, un petit peu plus orienté action, un petit peu plus léger dans le ton... Oh non, je ne vais pas dire ça. J'allais dire léger dans le ton, plus de blagues, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Parce qu'il fait aussi beaucoup de blagues dans d'autres séries adultes. Et justement, toi, quand tu dois traduire ça, quand tu sais qu'il y a ce label qui est là, d'ailleurs, on a signalé que quand Livre de Poche sort Skyward, il n'y a pas le label jeune adulte ou young adult. Hein, c'est dans, on est dans les mêmes, dans la même collection avec le fameux petit point sur le dos du livre. Toi, dans ta traduction, tu prends ça en compte ou tu prends le texte brut tel qu'il est ? Alors, je n'ai pas souvenir pour Skyward de l'avoir traité différemment. Je l'ai ressenti différemment, mais ça se ressent. Mais en même temps, il y a quelque chose de très spontané dans la traduction. Donc, je traduis le texte tel que je le reçois. Je ne me pose pas forcément des questions abstraites. Donc, s'il n'y a pas de violence dans le texte, s'il n'y a pas de violence dans le choix du vocabulaire, par exemple, je ne vais pas en utiliser non plus. Ce ne sera pas nécessairement un choix. Le seul où je me sois posé la question, c'est... Alors, ça a été annoncé déjà, donc je pense que ce n'est pas un scoop. Le livre de poche va... republier et compléter la série Alcatraz, qui pour le coup est la seule publiée vraiment comme une série jeunesse. Et là, je me suis posé un peu plus des questions de vocabulaire parce que ça s'adresse, je pense, à un lectorat plus jeune. Ah, puis c'est toujours délicat, hein. C'est un lectorat plus jeune, mais de quand ? C'est-à-dire dans l'utilisation des mots, on le voit bien dans les traductions, quand on doit faire un vocabulaire qui est beaucoup plus relâché, on se dit toujours, mais est-ce que ce mot-là, il est prononcé par tout le monde ? Est-ce que justement une certaine jeunesse pourrait le prononcer ? Ça, c'est un point qui est toujours d'achoppement, qui est toujours très difficile en traduction. Ça toujours, mais je pense qu'il a un style... il va pas forcément... Ça, c'est quelque chose qu'on va trouver chez un auteur comme Stephen King, par exemple, qui va beaucoup utiliser des registres de langage très précis. Sanderson, ça reste quelque chose d'assez... comment dire, quand il utilise du registre plus relâché ou plus argotique, il ne va pas forcément, à moins de créer lui-même un argot, ce qu'il fait dans plusieurs livres, il ne va pas forcément aller vers quelque chose de très, très éloigné de sa propre langue, en fait. Il va utiliser un argot très, très moderne dans des textes de fantasy, par exemple. Oui, ce qui peut amener ce décalage. Alors, justement, tu parlais de créer son argot. Alors, on le sait, tu le disais... il y a le côté démiurge de l'écrivain chez Sanderson, et à tous les niveaux, c'est-à-dire il va créer le récit, mais il va créer le monde dans lequel on est. Alors, il y a des cartes qui sont là. Alors là, il y a les systèmes de magie, il y a des cartes. Et toi, là, quand tu reçois le manuscrit, là, je prends par exemple donc, l'entrée dans les archives de Rochard, la Voix des Rois, quand on va rencontrer nos braves amis. C'est un monde qui est... Alors, il y a un côté très performatif chez lui, c'est-à-dire que, par exemple, les en-têtes de chapitres, il parle de livres qui existent dans l'univers, mais dont on n'entend pas parler, tout du moins au début, dans le bouquin. Et c'est vrai que alors, ça immerge, ça peut perdre, hein, bien entendu. Et toi, quelle est ta méthode en tant que traductrice quand tu découvres le tout ? Tu ne fais pas d'abord une lecture, puis après tu fais ce qu'on appelle un skimming ou un scanning. Tu traverses en diagonale le livre ou alors, est-ce que tu fais différentes recherches ? Ça dépend des cas de figure. Là, ce qu'il faut dire, c'est que maintenant, je connais tellement bien l'univers de Sanderson que je ne lis pas en entier le... Même je ne lis pas les livres avant de m'y lancer. Parce que de toute façon, je fais plusieurs lectures en cours de route. J'avais lu une partie de Fils des Brumes avant de le traduire et seulement le début avant de l'accepter. Donc La Voix des Rois, quand je le commence, je ne l'ai pas lu. Je ne sais pas dans quoi je m'embarque. C'est vrai qu'il est très compliqué. Il a été compliqué à aborder parce que non seulement il est énorme, mais qu'effectivement on est projeté dans un univers où on n'a pas les codes au départ. Et il commence par un prologue
En plus, c'est prologue. Le prologue, c'est ça. Je dirais, où on est des personnages dont on ne sait rien, qui parlent d'une situation dont on ne sait rien, on est vraiment catapulté. Voilà, et qui se passe. Ah non, parce que là, j'ai le tome 2. Mais effectivement, au début, on est là, oui, de quoi il parle. Voilà. Et après, on commence à rentrer un petit peu plus dans les détails, mais c'est vrai que La Voix des Rois, par rapport à tout le reste de son écriture, a ce côté beaucoup plus mystérieux. Et donc, il y a ces idiosyncrasies qu'on trouve chez lui. Donc, c'est-à-dire, là, par exemple, dans cet univers-là, il y a ces espèces de alors, évidemment, il est tôt le matin, le nom m'échappe. Tu as ces espèces de petites lucioles, entre guillemets, de magie qui sont autour des... Voilà. Et donc, ça, en plus, au début, ben, typiquement, quand on lit, au début, il n'explique pas ce que c'est. On dit, oh, ben, il y en avait autour de lui, il y en avait partout. Et alors, toi, quand tu es face à cela, justement, en tant que traductrice, tu es face à un élément qui est inventé, un petit peu comme William Gibson faisait à l'époque, où il balançait des noms, on n'en avait jamais entendu parler. Toi, comment ça se passe, ton cheminement de traduction là-dessus? Parce qu'il faut déjà comprendre ce que c'est au début. Ou est-ce que pareil, ça t'est déjà arrivé de contacter les éditions originelles, enfin les éditions en VO, pour dire est-ce que ça veut dire quelque chose, ou que tu as du mal dessus? C'est assez fréquent en traduction qu'on soit amené à contacter l'auteur, ou en tout cas quelqu'un qui peut nous mettre en contact. Là, dans son cas, comme il y a toute une équipe autour de lui et qu'il est très occupé, il y a une personne spécifiquement dans son équipe qui se charge de répondre au traducteur, et avec qui j'interagis depuis une quinzaine d'années maintenant. Ah, d'accord. Parfois, il a les réponses, parfois, il ne les a pas entièrement, parce qu'il ne peut pas, par exemple, donner des éléments sur ce qui se passera plus tard, il ne les a pas lui-même. D'accord. Il peut répondre à des questions si je ne suis pas très sûre du sens à donner un terme ou des choses comme ça. Et est-ce qu'il t'a dit, par exemple, que même de toute façon, pour un public anglophone, il y a certaines choses qui échappent au public anglophone? En fait, ce que j'allais préciser, c'est qu'en fait, la grosse difficulté avec cette série en particulier, c'est qu'elle n'est pas terminée. Donc, la grosse difficulté a été d'inventer des termes, non seulement dont on met un moment à comprendre exactement, comme l'esprène, on met un petit moment à comprendre le fonctionnement, mais en plus de ça, on ne sait pas si les termes qu'on fixe ne sont pas erronés, puisqu'on ne connaît pas la suite de l'histoire. Je me suis fait quelques frayeurs là-dessus. Il y a des éléments, par exemple, typiquement ce fameux premier chapitre, l'ouverture de La Voix des Rois, on comprend deux ou trois livres plus tard très précisément ce dont il s'agissait. Ah oui, effectivement. Je me suis arraché les cheveux sur pas mal de choses. Il a fallu deviner des choses. Parfois, je me suis un peu trompée, mais ça ne transparaît pas. Mm-hmm. Il n'y a pas eu d'erreur majeure pour l'instant. Et est-ce que, par exemple, alors, je crois que c'est 10 tomes. Hein. Il a annoncé que c'était... Ce sera deux cycles de 5 tomes. Il est en train de conclure le premier et il va faire une pause avant d'attaquer le deuxième. Il a un rythme de staccanoviste assez fou, parce qu'il n'écrit pas que celui-là en plus. Et justement, est-ce que, par exemple, toi, tu as quelque part dans ton fichier les mots dont le sens pourrait être amené à changer, et puis peut-être qu'au cours d'une réédition en français, on fera un trouvé-remplacé sur le manuscrit de traduction? Alors, on a déjà fait des corrections, mais plus sur des petites erreurs ponctuelles. Mmh. C'est arrivé, j'ai pas changé de terme majeur en cours de route. Ma tendance serait plutôt de dire, à moins qu'il y ait une erreur vraiment colossale, je vais tenter de rester cohérente avec les choix, et quitte à de temps en temps faire des détours pour pas eu à le faire pour l'instant vraiment, mais sinon je vais perdre les lecteurs si je change les termes en cours de route. Oui, ça c'est. Ou alors tu mets une note de bas de page à chaque fois que le terme change, ça va pas être facile. Oui, ça sort de la lecture, ça sort de l'immersion. Le but, c'est que l'immersion soit maximale. Oui, puis de toute façon, la traduction n'existe pas, en fait. Oui, la traduction n'existe que quand, justement, il y a un problème. Tu vois, c'est ça, on s'en rend compte que... Cela dit, je suis très étonnée du nombre de gentilles choses que m'ont adressé les lecteurs, de Sanderson en particulier, parce qu'on peut s'attendre à ce que les fans soient au contraire très, très, très à cheval sur la précision. Et j'ai énormément de très bons retours sur les traductions. Ah ben, moi je peux t'en donner un autre. Hein. Sur Rollis TV, on sait à quel point c'est des formations professionnelles, mais je suis tatillon sur les traductions et c'est un délice de te lire. Hein. Vraiment, c'est pas de la flagornerie. Tu as gagné ton dimanche matin. C'est pas de la flagornerie. Hein. C'est vraiment le cas. Et
Justement, donc la quelle a été pour toi la... dans... tu as fait plusieurs œuvres, hein, ce qui a été le plus difficile à traduire finalement, là où tu t'as dit oula, va falloir s'accrocher, parce que maintenant Rochard, Voix des Rois et tout ça, bon, c'est un vieux copain qui vient, quoi. Il n'y a pas des moments où soudainement, quand tu as un nouveau Sanderson entre guillemets, il y en a pas eu un où tu t'es senti un peu plus où tu as dit bon là on va faire attention, on n'est plus tellement en territoire connu. Je dirais ce qui est plus difficile, ça reste Rochard, parce qu'il y a ce foisonnement de termes, parce qu'il y a l'endurance qu'il faut pour tenir un bouquin de cette taille en traduction. Ça reste quand même le gros morceau. Quand ça arrive, ça, je me dis bon, c'est de la course de fond, faut faire attention. Mais le plus difficile, ça a été La Voix des Rois, parce que justement, première approche avec cet univers. J'ai un petit peu eu de mal avec le premier Skyward, par exemple, Vers les étoiles, parce que c'était un univers qui était très différent, parce qu'il y avait un petit peu plus de termes de science-fiction, de combat dans l'espace notamment, qui sont quelque chose que j'ai eu un peu de mal à traduire. Et ça, j'ai dû m'apprendre par moment, alors que c'est un livre qui peut paraître très simple dans son déroulement par rapport à La Voix des Rois ou ce genre de récit. J'ai eu un petit peu de mal avec celui-ci, avec les termes plus techniques. Et donc, Skyward qu'on avait présenté sur Rollis TV, c'est de la science-fiction space opéra. On s'est matiné de tous les films qu'on aurait pu voir quand on s'assoit. Voilà, y a des combats spatiaux, il y a quelqu'un qui veut rétablir une vérité sur son passé. Bon, bref, il y a des vaisseaux extraordinaires. Oui, parce que là aussi, c'est que là aussi, ils poussent tellement les détails. C'est que là, ça me revient, il y a effectivement les détails de tous les vaisseaux qui sont proposés. Je devine voilà, aisément. Ça, je ne suis pas très à l'aise avec la partie un peu technique, donc celui-là, j'ai dû m'accrocher. J'ai eu une difficulté spécifique, mais là, c'était spécifique à un livre. C'est dans le deuxième de cette série, on rencontre des extraterrestres de genre neutre. Ah. Et le français est beaucoup moins souple là-dessus. Alors, ce n'est pas la première fois que j'ai à le faire en traduction, c'est un grand classique de difficulté de traduction. Mais... là, je me suis posé la question, j'ai fini par utiliser des termes d'écriture inclusive, ce qui a pas mal divisé le lectorat. Oui, ça, on avait eu Sandy Julien qui nous avait parlé de cela sur un des romans Star Wars qu'il avait traduit, où le personnage, là aussi, n'était pas défini. Patrick Marcel également avait eu le cas. Et alors, c'est vrai que ça fait très bien en anglais, mais alors, soudainement, on arrive en français, et là, il y a des choix à faire, comme on dit. On a des cas de figure différents selon... parce que moi, j'ai rencontré ça plusieurs fois. J'avais eu un texte de... une nouvelle de Poppy Zebra, il y a super longtemps, qui est un homme trans, mais on ne le savait pas encore à l'époque. Il y avait une nouvelle qui laissait une grosse ambiguïté sur le genre d'un personnage. Et là, j'avais fait en sorte que rien ne transparaisse comme en anglais. C'est ce qui est faisable. Là, je me suis quand même retrouvée avec le cas de figure où la neutralité était annoncée. On est dans une société future où, apparemment, c'est quelque chose de beaucoup plus... En tout cas, dans la société où se passe le texte, c'est intégré qu'il y a des espèces extraterrestres qui sont non-genrées. Donc là, je ne pouvais pas l'éviter. Il a fallu trouver un moyen. J'ai recours au plan, il y a des choses comme ça. Poppy Zedbright, là, tu vois, je regardais parce que j'ai mes comptes de la Fée Verte. Et puis également Âme Perdue. Oui, Âme Perdue, c'est ça. Quelle claque que ce Âme Perdue. Quand il sort aux éditions d'histoire, quand même, c'est sombre. Je me rappelle toujours sa description où il dit que la lune est un œil crevé dans le ciel. Moi, j'ai été très, très marquée vers 20 ans par la lecture des contes de la Fée Verte, et je pense que c'est un des recueils qui m'ont influencé en tant que nouvelliste. On a parlé donc des différentes œuvres de Sanderson, mais en fait, il y a quelque chose dont je me rends compte. C'est quelqu'un qui dit « Ah tiens, j'aimerais bien lire du Sanderson ». Comment est-ce que tu définirais ses ambiances, son écriture, ce que l'on peut s'attendre à trouver dans cet univers si on veut s'échapper de notre petit quotidien? Alors, je dirais que la caractéristique qu'on retrouve dans tous ses livres, parce qu'il y a des ambiances assez différentes par moment, c'est que c'est un auteur qui veut faire du divertissement, mais pas le divertissement où on reproduit la même formule à l'infini, c'est-à-dire qu'il a une vraie ambition de ce qu'il veut faire, une ambition créative, mais une ambition aussi d'accessibilité. C'est un auteur qui est très, très accessible. Alors, on parlait de La Voix des Rois où il y a un peu cette dimension mystérieuse qui participe de l'ambiance, mais il va toujours faire en sorte que ce soit très accessible pour le lecteur, mais sans pour autant prendre le lecteur pour un idiot ou sans pour autant faire un style hyper neutre.
Et je trouve qu'il a une approche de ça vraiment intéressante. Et il est très fort sur donc la création de l'univers, ça on l'a dit, c'est vraiment quelque chose de... Il est épatant et particulièrement dans les archives de Rochard, mais aussi la série Fils des Bons. Et il a vraiment, je trouve, un don des personnages. On en parle peut-être moins. Il crée des personnages très attachants, qui sont souvent des personnages qui vont aborder des thèmes... personnages qui vont avoir des handicaps, par exemple, ou personnages qui vont être... Le personnage de Kaladin, par exemple, il aborde le thème de la dépression dans La Voix des Rois. Et c'est pas... Il va pas forcément s'étendre beaucoup dessus, mais il traite ça avec beaucoup de justesse. On précise hein, que des failles dans ce genre. Ce personnage donc est le personnage qui est on suit deux personnages et Kaladin dont on devine parce qu'il y a beaucoup de flashbacks et donc c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des moments effectivement c'est des œuvres qui se lisent vite pour le volume de pages qu'il y a, mais c'est vrai que ça prend son temps, il y a des retours en arrière, et il y a peut-être des moments où on voudrait savoir ce qui va se passer, puis on revient en arrière, et voilà, c'est un personnage déchu, voilà, comme ça. J'allais dire, Sanderson est aussi très très bon pour les intrigues, et moi j'ai un grand souvenir de la fin de... Le premier que j'ai traduit, c'était L'Empire Ultime, donc le début de la trilogie Fils des Brumes. Je ne l'avais pas lu en entier avant de traduire, et j'ai souvenir que j'ai traduit en premier jet la fin à toute vitesse parce que je voulais absolument savoir ce qui se passait derrière. Il y a une suite de retournements de situation qui est fabuleuse. J'étais tellement accrochée que j'ai traduit deux fois plus vite. Et apparemment, quand il y a eu l'enregistrement de certains de ses livres en livre audio, la lectrice qui a travaillé sur La Voix des Rois m'a dit la même chose. Parfois, on est pris dans une espèce de transe parce qu'on veut connaître la suite. On veut absolument. Il est extrêmement doué pour ça. Alors, la Voix des Rois qui est disponible chez Audible, qui est très, 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 très bien lu. Et puis, surtout, si vous adorez les versions audio, il faut quand même bien le dire, si vous vous jetez dans La Voix des Rois, juste comme ça, uniquement avec le support audio, ça va peut-être un petit peu être difficile au début, parce que notamment, il y a les cartes. Il y a les cartes. Et puis, il y a aussi quelque chose qui est assez agréable chez Sanderson dans ses romans, c'est que très souvent, il y a d'autres supports que le texte. Et évidemment, ces supports-là ne sont pas retranscrits dans une version audio, donc c'est bien de mixer sur les deux. Et il y a aussi... Dans La Voix des Rois, oui, avec les illustrations. Je pensais aux extraits du carnet de Chalan qui dessine les espèces animales ou des choses comme ça. Oui, oui, et on a l'impression d'ailleurs d'avoir quasiment deux livres, hein, parce que c'est, ou deux heures, parce qu'il y a un moment, tu fais... Ah oui, c'est comme ça, en fait. on ne le voyait pas, mais vraiment aussi, hein, c'est... une des clés, c'est de lire, c'est d'avoir au moins la carte sur soi. Brandon Sanderson aussi, c'est quelqu'un, on en avait parlé régulièrement sur XTV, qui a fait lors du confinement, parce que toi et moi on a fait pareil, on s'ennuyait, on s'est dit tiens, on va écrire quatre romans. C'est pas tout à fait passé comme ça, non. Oui, non. Mais... je m'ennuyais pas, j'étais en train de traduire Rythme de guerre, troisième volet de l'archive de Rochard. Je l'ai traduit pendant le gros de la pandémie. Voilà. Et justement, quand finalement, là, pour le coup, là, parce que ton métier est un métier qui se fait à la maison, hein, quand on a un confinement, ça a une influence là-dessus. Parce que là, tu ne vas pas travailler en dehors de chez toi, mais là, donc là, c'était pour le coup altéré. Et là, tu te retrouves à travailler chez toi, mais finalement, sans risque, sans pouvoir sortir. Ça a une influence sur le rythme, sur le nombre de pages que tu peux traduire. Pas forcément parce que il y a une limite de toute façon à ce qu'on peut faire par jour sans s'épuiser. Comme j'ai un passif de burn-out, je suis particulièrement attentive à mes limites aussi. Et s'il y a une influence plutôt négative, mais qu'on a ressenti massivement à bien des endroits, des difficultés de concentration qui ont résulté d'être chamboulé à ce point. Et j'ai eu quelques moments un petit peu difficiles, plus la deuxième année, avec des gros problèmes de concentration qui sont résolus depuis. Bon, à la bonne heure. Tu parlais là justement du nombre de pages maximum que tu peux faire. Évidemment, chacun connaît ses limites. Toi, par exemple, il y a des moments où tu te dis, où tu te fais des notes à toi-même en disant, bon, là j'ai fait ça, mais demain ou la prochaine fois que je suis dessus, il faut que je revienne sur ce passage. Il y a des moments où tu sens que, tu parles de l'action mécanique de la traduction, mais où tu sens que ça savonne un peu plus. Oui, j'ai tendance à faire un premier jet. Alors, ma méthode a un peu évolué en cours de route, mais je fais un premier jet qui reste assez brouillon. C'est-à-dire je note ce qui me passe par la tête, c'est-à-dire je note la phrase telle qu'elle me vient. De temps en temps, spontanément, c'est la bonne phrase qui va me venir parce que
Je traduis directement l'impression que je reçois en ayant la phrase en VO. Mmh. De temps en temps, je bloque sur un mot et je sais que je n'ai pas envie de m'interrompre dans cet élan. Donc, je laisse ce mot en anglais, je le signale. Donc, mon premier jet, il est illisible pour quelqu'un d'autre que moi. Il est plein de choses à vérifier plus tard, de termes à harmoniser, de aller vérifier. Tiens, ça, c'était dans telle série, il faut que je retourne chercher. Parce que quand je suis dans mon élan, je n'aime pas m'interrompre. Et alors justement, dans un terme, là aussi, dans le côté technique du travail, tu as quelqu'un qui te relie après ou c'est toi qui te relie? Alors moi, je me relie plusieurs fois de toute manière avant de rendre la traduction. Ensuite, mmh. c'est relié, je suppose, par plusieurs personnes et je ne peux pas dire combien. Je sais que j'ai les retours, moi, du préparateur avec qui on échange. Il me pose des questions sur des points qui l'ont interpellé. D'accord. C'est relu par l'éditeur, mais je ne peux pas dire précisément qui relie quoi à quel stade. Mais d'accord. Oui, bien sûr. Derrière. Et ensuite, moi, je reçois les épreuves, c'est-à-dire une fois que le texte a été corrigé, qu'il est maquetté, je reçois cette version quasi définitive et je vérifie qu'il n'y ait pas des erreurs qui soient restées ou des termes qui aient été modifiés et qui ne soient pas les bons. Ah, sacré travail, hein. Parce que c'est ça que je trouve un petit peu triste, c'est qu'on a, alors déjà, j'ai vu que tu avais été, enfin, il y a des boîtes, il y a des éditions qui mettent le nom du traducteur que ce soit en couverture ou en quatrième de couverture. Mais dans cette chaîne de commandes, enfin de procédés, effectivement, le côté le relecteur, le préparateur, ces personnes-là elles restent dans l'ombre. Alors que effectivement, c'est le filet, et quand les choses passent à travers le filet, c'est là où ça se voit. Mais voilà, d'autant que là, c'est vraiment la même. Alors. Pas strictement la même équipe depuis 15 ans, parce que forcément il y a eu des changements. Puis ça avait commencé chez Calman Levy, chez Orbit, en fait, avant d'être au livre de poche. Mmh. Mais le préparateur dont je parle, ça fait des années qu'on travaille ensemble et il a travaillé sur tout Rochard. Il a une excellente mémoire des détails des univers. De temps en temps, il va me dire: ah là, ce serait pas ça, ou tiens, là, c'est peut-être pas le bon terme. Donc, effectivement, c'est d'autant plus un filet qu'il a cette vision globale de tout et que je sais qu'il est très que ses remarques sont pertinentes. J'ai déjà eu sur d'autres livres des mauvaises expériences avec des correcteurs qui ont fait des modifications qui n'étaient pas nécessaires, donc avoir quelqu'un qui fait des remarques pertinentes et dont en qui j'ai confiance, ça aide beaucoup. Et il y a eu des moments, oui, par exemple, oui, de toute façon, la grande difficulté, tu l'as dit, hein, c'est s'il y a un terme totalement inconnu, un néologisme, là tu vas chercher dessus. Mais parfois, il y a eu des moments sur un terme, tu comprenais, tu savais ce que c'était, mais amener la bonne traduction était. Parce que, par exemple, quand on voit les titres en VO, déjà les titres en VO, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus parlant. Mais toi, il y a eu des moments vraiment où tu as un terme, tu as dû en parler à d'autres, et voilà, j'ai choisi ce terme-là, comment est-ce que le sous-texte est bien rendu? Ouais, y a forcément, puisque de toute façon les deux langues ne fonctionnent pas de la même manière. Dans un terme anglais, un néologisme, il va y avoir plein de choses qu'on va devoir rendre, et fatalement, presque fatalement, il y a des choses qui sont perdues. Il va y avoir un registre de langue, il va y avoir c'est une référence à tel autre terme, il faut que ça apparaisse, ça doit faire terme scientifique, ça doit faire terme argotique, il y a plein de choses comme ça, et des fois on n'a pas les éléments et on part un petit peu à l'aveuglette. J'ai eu un cas très très difficile comme ça, mais pas tant parce que je savais pas comment le rendre, mais enfin en même temps si, parce que j'étais pas sûre de ce que c'était. Moi, dans La Voix des Rois, on a des personnages qui nomment leurs épées. Oui. Et j'ai eu quelques noms d'épées à inventer. Les épées, elles sont mentionnées comme ça en passant. Et l'épée du roi d'Alinar s'appelle Oathbringer, qui est très compliqué à rendre, puisque c'est l'idée de rendre, d'exécuter un serment quelque part ou quelque chose comme ça. Oui. Et ben, en me faisant des nœuds au cerveau pour essayer de trouver comment je pouvais rendre ça, puisque tel quel ça rendait pas bien, je suis arrivée, je sais plus très bien comment, à justicière, en me disant que de toute façon c'était pas un terme sur lequel on revenait énormément. Sauf que c'est le titre du troisième livre, je ne savais pas ça. Et sauf qu'on parle un petit peu plus de cette épée ensuite. Alors on n'a jamais l'explication exacte du nom, mais je me suis fait des frayeurs en le traduisant, en me disant peut-être que justicière ça convenait pas finalement. Mais moi je trouve que justement ça. Ça convient parce que c'est la conséquence, enfin voilà, c'est la du Oathbringing. Et ce que j'aime aussi beaucoup et ce que j'apprécie, c'est que moi je déteste les anglicismes, et je remarque que de plus en plus notamment la littérature de science-fiction. Alors je sais que pour Skyward, mais Skyward c'est un exception, parce qu'il faut si on veut pas un titre qui fasse tout le
Mais par exemple, je vois l'apparition du mot alien qui auparavant dans les anciennes traductions n'était pas traduit. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que justement c'est rentré dans les habitudes, dans le langage. Oui, c'est ça. Mais c'est moi, il y a des côtés qui que je trouve parfois gênants. Et c'est ça qui est bien, c'est que justement dans ce genre-là, on a cette tout est francisé. Et effectivement, alors. Ça, faut absolument. Par exemple, je sais que Patrick Marcel, qui avait repris la traduction de Game of Thrones, il avait repris la traduction de Jean Solà et il s'était retrouvé avec Snow. Et lui, il avait dit, lui, il aurait voulu traduire le terme Snow pour que ça fasse neige, parce qu'effectivement, en VF, des fois, il y a des moments, y a Snow, le nom de famille, et puis Snow, le nom commun, qui ça fait des interférences au niveau de la traduction. Oui, c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a des noms. Il y a des noms que j'ai laissés parce que c'était pas tant un sens qu'ils ont une sonorité anglophone. J'ai plus de noms qui me reviennent, mais dans l'équipe de Fils des Brumes, je crois, ou dans les Hommes de Pont, j'en ai quelques-uns. Mais c'est vrai que dans un registre de fantaisie, moi je pars toujours du principe que bon, dans Skyward je peux parce que d'une part c'est de la science-fiction, oui. Il y a beaucoup de termes techniques qui sont repris, de termes des avions, des choses comme ça. Parfois je suis obligée de reprendre les termes tels qu'ils existent. Dans Cœur d'acier et ses suites qui se passent dans des États-Unis, je sais pas si c'est une chronique des États-Unis modifiés, la langue anglaise existe, les États-Unis existent, donc je peux me permettre dans ce contexte d'avoir quelques mots anglais. Dans l'univers de Rochard, si je fais ça, je sors le lecteur de l'immersion. Ben voilà. Parce que dans l'autre monde, l'anglais n'existe pas. Et moi, c'est une des choses que je reproche dans les productions de jeux de rôle où soudainement, je vois des mots comme « oui, il y a un rift », alors qu'on est dans du médiéval fantastique pur et dur, et non, ça peut pas aller. Après, c'est vrai que... Oh pardon, Non, vas-y, continue. Ça dépend parce que j'ai eu... alors, encore une fois, j'ai pas tant d'expérience du jeu de rôle que du jeu vidéo. Et je me souviens avoir eu des longues discussions à l'époque où je jouais à World of Warcraft et que les traductions étaient changées en cours de route. Quand les gens sont habitués à un terme anglais, ils étaient super énervés parfois qu'on apporte une traduction, même quand la traduction était bonne. Et tout de suite, à chaque fois, on me disait « mais c'était plus cool en anglais ». Quand je répondais « non, Stormwind en anglais, Stormwind, c'était pas plus cool que Hurlevent ». C'était tout aussi, je vais pas dire banal parce que c'est pas banal, mais c'était tout aussi lisse comme terme. Simplement, toi, tu trouvais ça cool parce que c'était en anglais. Mais pourquoi est-ce qu'on aurait des mots traduits et des mots pas traduits? C'est pas logique. J'ai bien pris la tête là-dessus. Je suis tout à fait d'accord. L'argument de « ouais, ça fait mieux en anglais », bah non, en fait, ça fait pas mieux en anglais. C'est parce que tu l'as tendu. À ce moment-là, on met tout en anglais. Et puis, on verra si ça fait plus cool ou pas. Tu verras que c'est parfois plus difficile. Puis, oui, moi, je suis très admiratif, de toute façon, par ces traductions-là. Par les traductions, notamment, ça a été le cas dans Donjons et Dragons, où on a traduit tous les petits termes, avant que Wizard décide que celui-là, non, celui-là, il sera traduit, pas celui-là. Ou justement, quand on a ces univers, il y a une poésie qui chante. Puis surtout, c'est un sacré défi, parce que c'est juste un mot, comme tu le disais pour Justicière, c'est un mot, mais si on se trompe dessus, ça fait que soudainement, on voit un petit trou dans le décor, en fait. J'ai vraiment failli. Il y a eu un cas où j'ai dû adapter une phrase parce que deux mots qui avaient la même racine en anglais ne l'avaient plus en français. Mais ça va, c'était une phrase, j'ai trouvé moyen de la raccorder, mais je me suis fait des frayeurs. Il y a peut-être des termes que je regrette, mais on ne voit pas forcément. J'étais en train de penser à un terme Alors, ça doit être dans le livre des radieux, ou dans le troisième. Mm-hmm. On commence à voir apparaître une espèce, enfin, l'espèce en tout cas, des créatures qu'on appelle au départ les Parchendi, qui sont des créatures des créatures humanoïdes qui font la guerre à un peuple humain dans cette série. On commence à voir leur point de vue au bout d'un moment, et on s'aperçoit qu'eux se désignent eux-mêmes comme ceux qui chantent et ceux qui écoutent. En anglais, c'était « listeners » et « singers ». Donc, singles, on aurait pu faire chanteur, mais listeners, c'est arrivé sur auditeur ou sur... je trouvais rien qui corresponde. Je suis partie sur ceux qui écoutent. Je trouvais que ça sonnait bien. Oui. Je m'étais pas rendu compte à quel point le terme allait être utilisé comme adjectif par la suite et à quel point j'allais devoir faire des contorsions. C'est là où est toute la différence entre une traductrice humaine et DeepL, qui lui serait allé tranquillement dans la traduction que toi tu n'as pas choisie. Et alors, en fait, on a ça également... allait bien avec tout leur folklore et toute leur culture. Je trouvais que ça s'intégrait bien. Oui, les Parchendis, ça aussi, c'est ça qui est chose que le début du livre, c'est il y a une guerre, comme tu le disais, et puis
On fait des ponts pour aller sur d'un endroit à un autre. Vous imaginez comme des canyons et on fait des ponts alors que c'est un des vrais massacres le temps de traverser le pont. Et au bout d'un moment, effectivement, on va se dire mais finalement ils sont étranges. Enfin, ils sont étranges entre guillemets. C'est peut-être pas les créatures qu'on pensait pouvoir combattre. Et c'est le début de cet univers. Ce que j'adore en fait dans cette série en particulier, c'est qu'on a une multiplication de points de vue puisqu'on a trois personnages, un petit peu plus en fait, mais bon, vraiment trois personnages qu'on suit en particulier. Donc on a le point de vue sur cette guerre aussi bien des dirigeants qui prennent les décisions que des esclaves qui portent ces ponts justement pour franchir les gouffres et qui sont envoyés au massacre et qui essaient de survivre. Donc on a vraiment deux différents points de vue sur la guerre. Et ensuite, par la suite, on a le point de vue de l'ennemi. Et on s'aperçoit que pour l'ennemi... L'ennemi, ce n'est pas des créatures sanguinaires qui ont débarqué d'un seul coup pour tout envahir. Ce sont des êtres aussi qui cherchent à survivre, qui ont fait des choses horribles par nécessité. Et puis, comme tu le dis, le premier chapitre, c'est donc quelque chose qui se passe chez un roi, mais avec une explosion de pouvoir dans les sensoriels et tout ce qu'on veut. Et puis après, boum, on se retrouve dans ce qui va nous prendre plusieurs centaines de pages. Hein, on est un petit peu d'ailleurs dans une construction à la George Martin, où au début, ça commence, il y a quelqu'un qui est décapité dans la neige. Et puis après, voilà, puisqu'il se passe des trucs qui vont arriver dans plusieurs centaines de pages, plusieurs tomes, plusieurs tomes ultérieurement. Après, pardon, je pensais plus quand je parlais du prologue, au prologue avec les ce qu'on appelle les héros dans cette, sont des créatures mythologiques, plus ou moins. Et je pense plus à un passage très obscur qui les concerne. Ensuite, on a le prologue proprement dit, qui est en fait un de mes aspects préférés de cette série. C'est que ce prologue qui raconte donc l'assassinat d'un roi, du roi du peuple des Aleti, donc le roi, Gavilar, voilà. Le roi Gavilar Colline est assassiné par ces créatures qui revendiquent le meurtre, alors qu'il venait de signer un traité favorable pour tout le monde. Personne ne comprend. Et ce prologue, en fait, va être écrit dans chaque livre d'un point de vue différent. Puisque ça se passe pendant une fête dans le palais du roi, où tous les personnages importants de l'histoire se trouvent dans ce palais et vont tous vivre l'événement sous un angle différent. Et chaque livre reprend cette scène qui est vraiment la scène primitive du roman et la redécrit sous un autre angle. Je trouve ça absolument... Moi, j'avoue que quand j'aborde une nouvelle version du prologue, je suis dans tous mes étages, j'adore ça. Alors, et puis en plus, oui, quelle description. On précise, hein, pour ceux qui veulent se lancer dedans, donc La Voix des Rois 1 et La Voix des Rois 2, c'est en fait la seule et même histoire. Hein. Je crois que même ça a été coupé également en VO. Je crois que dans les éditions poche, c'est-à-dire pas dans... C'est compliqué parce qu'un livre de cette taille, à moins de faire une édition reliée, c'est compliqué de le rendre solide. Donc je sais que la version britannique, par exemple, en poche, est coupée en deux. Et c'est l'éditeur, c'est l'auteur lui-même qui nous a indiqué où faire la coupure. C'est pas une décision arbitraire de. Oui, ça tombe très bien. Elle tombe très très bien cette coupure. Il y a pas à dire. Et alors donc, on le disait aussi, Sanderson, donc écrivain prolifique, a fait ce fameux projet secret pendant le confinement. Et il a donc fait un. Il a dit, je vais écrire. Je crois qu'il a dit, je vais écrire 4 livres et je vais le faire en financement participatif. Vous allez le recevoir directement. Et ça a fait, je crois, c'était 27 millions de dollars. Ça a explosé les records de Kickstarter en quelques jours. Enfin, je crois qu'il a atteint l'objectif dès le premier jour et il a explosé le record absolu de Kickstarter depuis que ça existe. Et j'ai essayé de penser à un précédent, mais je n'ai pas réussi à trouver quelque chose. Et comment ça se passe en coulisses parce que évidemment le décalage entre les sorties VF et VO était c'est pas le décalage habituel d'ailleurs. Comment ça se passe pour toi, tu es au courant, tu as le livre de poche qui t'appelle tôt le matin, tu as vu, il va y avoir quelque chose, comment ça se passe? Alors, il m'appelle pas tôt le matin, on commence par échanger par mail et après on a fait une réunion pour en parler. En fait, alors déjà les livres étaient écrits. Il les avait écrits pendant le confinement, deux d'entre eux pour sa femme. Et ensuite, il a décidé de les publier. Donc, les manuscrits existaient déjà. Mm-hmm. Et le livre de poche a senti qu'il y avait quelque chose à faire, de rebondir sur l'écho qu'avait eu ce Kickstarter et dire, bah, tiens, on va refléter cet événement en VF. Celui-là aussi, qui était là. Voilà, on va sortir les livres en français en même temps qu'ils sortent en VO.
et on va les sortir comme en anglais dans deux éditions, une édition courante et une édition collector. Donc ça demandait effectivement un supplément de travail, mais en plus, il faut dire qu'on a été pris par surprise, c'est-à-dire qu'avant qu'il annonce le Kickstarter, nous on n'était pas au courant du tout. Et d'un seul coup, on se retrouve avec 4 livres en plus à caser dans un planning qui était déjà bien rempli, parce qu'il y avait des séries en cours à continuer. Donc là, on a réfléchi, on est arrivé, le livre de poche a fait la même suggestion que, enfin, a eu la même idée que moi. C'est qu'on s'est dit que c'était pas possible que je fasse les 4, oui, en plus de ce que j'avais déjà prévu, et qu'ils sortent en même temps. Moi, je pouvais pas faire ça toute seule, c'était impossible. Donc, on a eu la même idée, c'est il faut un traducteur, un autre traducteur qui rentre dans la boucle, et on se partage les projets secrets. Il y avait un code, c'était quoi, c'est le code projet secret ou c'était Je crois qu'on utilisait le projet secret. Oui, il y avait des codes parce que, étant donné que les livres n'étaient pas sortis en anglais, c'était vraiment du top secret absolu. Il était hors de question que le manuscrit circule avant. Enfin, ça aurait été. Ah oui. Voilà. Donc on faisait très attention. Je sais qu'on avait, on nous avait demandé de ne même pas en parler à notre entourage de le contenu des histoires, par exemple. Parce que nous, on collabore avec le livre de poche et quand on recevait donc les catalogues de sortie ou les contacts qu'on avait, il y avait projet secret ou livre secret, je ne sais plus le terme, mais c'était alors déjà c'était super parce qu'on dit ouais chouette du nouveau Sanderson, et je trouve qu'il y a quelque chose qui est très très agréable, c'est que en gros ben on vient pour un roman et on sait que c'est fini. Tu vois, il n'y a pas le côté de « je dois m'engager pour lire tous ces milliers de pages ». On est dedans, donc il y avait également le très bon manuel de survie du sorcier dans l'Angleterre médiévale. Alors, celui-là là, aussi. Là, c'est pas ça, lui, non plus. Ouais, en fait, toi, ce qui se passe, c'est que le livre de poche échange beaucoup avec l'équipe américaine. Mm-hmm. Au départ, ils avaient attribué les livres différemment. Et c'est l'équipe qui a dit qu'il fallait que ce soit moi, donc la traductrice habituelle qui connaît l'univers et les séries principales, qui m'occupe spécifiquement des livres 3 et 4, parce oui, que c'était ceux qui avaient le plus de références. Voilà, et L'Ensoleillé, on en a déjà parlé, outre... alors, j'ai édition très très agréable, fond et forme, à lire. Le collector est magnifique. Ah oui, c'est vraiment superbe. Et effectivement, au bout d'un moment, on fait « Tiens, mais ça, je connais ». Ah, mais ça aussi, je connais, effectivement, oui. Dès le départ, j'ai soupçonné que le personnage qu'on accompagnait, qui a un surnom, était peut-être un personnage qu'on avait déjà croisé. Je n'avais pas pensé au bon personnage au départ, mais je me suis dit, tiens. Puis petit à petit, on se rend compte qu'il utilise des termes... je ne sais plus s'il utilise les mêmes expressions, les mêmes jurons que dans le cycle de Rochard, mais il y a des éléments qui nous disent, tiens, ce personnage vient du cycle de Rochard. Mais c'est curieux, on est dans un univers de science-fiction. Alors que Rochard était plutôt de la fantasy. Il commence... j'ai trouvé ça en fait passionnant parce qu'on sait que la série Fils des Brumes, qui est son autre grande série, qui est composée de 3 cycles, dont 2 actuellement sont écrits, écrits et publiés, son idée de départ était de commencer dans de la fantasy et d'avancer dans le temps. La deuxième série est plus proche du steampunk, se passe 500 ans après. La troisième sera de la science-fiction. Et en traduisant L'Ensoleillé, j'ai commencé à comprendre comment il va faire pour relier tout ça. J'ai trouvé ça passionnant. Et c'est pour ça que on en parlait un petit peu hors antenne. C'est un bouillonnement d'écriture, bouillonnement d'idées. On imagine qu'il doit avoir un carnet secret quelque part en train de noter tout ça. Et c'est vrai que c'est aussi une des raisons pour laquelle je t'avais proposé de venir parler de Sanderson. C'est quelqu'un qui est quand même peu connu en dehors du rayon des amateurs de fantasy et de science-fiction. En France, c'est un nom que je vois beaucoup s'y parler quand des gens demandent des conseils de lecture en fantasy, par exemple, c'est un nom qui revient très très vite. C'est vrai qu'après, si j'arrête quelqu'un... Alors si, je tombe comme souvent dans le métro sur des gens en train de lire Sanderson en traduction, ce qui fait toujours plaisir. Mais si on arrête quelqu'un dans la rue, il aura entendu parler de George Martin, au moins par la série télé. Et Sanderson, il n'y a pas encore, à l'heure actuelle, parce qu'il y a des projets, il n'y a pas encore eu une adaptation comme il y a pu avoir avec Game of Thrones ou The Witcher, par exemple. Mm-hmm. Ou les jeux vidéo, enfin The Witcher, jeux vidéo et séries, il n'y a pas eu une adaptation qui a touché un autre public. Même s'il y a depuis un moment un projet de film Fils des Brumes qui est en cours. Pas en cours de tournage, mais en cours de préparation, je crois. Il y a un jeu de rôle qui a été également qui a été annoncé. Moi, pour ma part, j'ai eu une étudiante qui lisait en anglais, Elantris. Et justement, je lui ai posé plein de questions. Après, je lui ai dit,
J'ai dit, alors, qu'est-ce que vous aimez dedans? Qu'est-ce que... Et puis, c'est parce que c'est effectivement, on aura tendance à lire du, et en français, du George Martin. Et puis, ben là, là, quand j'ai vu ça, j'étais tout content. Ça a fait ma pause. Et le, toi, quel serait quelqu'un qui veut se lancer dans, pour lire un livre ou plusieurs de Sanderson, quelles seraient tes propositions? Alors, comme souvent, ça dépend de la personne quand on me demande un conseil. C'est qu'est-ce qu'aime la personne? Est-ce que c'est une personne qui est férue de grandes sagas de fantasy ou quelqu'un qui n'en lit pas du tout? Je vais te poser. Bon, moi, je n'ai pas beaucoup de temps. J'aimerais bien découvrir qu'est-ce que je peux lire qui aille assez vite. Alors, qui aille assez vite et qui soit représentatif de l'univers, souvent, je vais orienter les gens vers la novella L'âme de l'empereur. Mm-hmm. Où on a effectivement toutes les composantes de son univers, c'est-à-dire l'ambiance, les types de magie, le fonctionnement, le fait d'avoir, ça c'est un de ses points forts, un système de magie qui possède des règles très strictes, quasiment comme des lois scientifiques. On retrouve déjà ça dans L'âme de l'empereur, qui est un texte très joli par ailleurs, et qui donne une bonne idée en assez peu de pages. Si par contre quelqu'un veut la quintessence de Sanderson et il n'a pas peur de la longueur, je pense que le monument, c'est les archives de Rochard, qui se composent donc de La Voix des Rois, Le Livre des Radieux Justicières, Rythme de Guerre, et un cinquième qui arrive bientôt. Ouf, donc là, ça fait combien de milliers de pages? Oula, on va compter 8 pages par livre à peu près. Il y en aura 5000. Là, il sort en fin d'année en anglais le cinquième tome, qui est la fin du premier cycle de Rochard. C'est fou. C'est... D'habitude, il y a la tradition de faire, on fait des trilogies et tout ça. Là, boum, décalogie, allez, c'est parti. Ouais, je ne savais pas, quand on m'a donné des Fils des Brumes, ça devait être en 2009. Ouais. Je savais qu'il y avait d'autres livres derrière. Je savais qu'il y avait un très gros livre qui s'appelait La Voix des Rois. Mais je ne savais pas que 15 ans après, j'y serais encore et qu'il aurait développé autant d'univers et qu'il commencerait à les relier entre eux. Je ne savais pas tout ça. Et le savait-il vraiment d'ailleurs? Le savait-il? Beaucoup d'écrivains relient leurs œuvres en fin de carrière. On l'a vu notamment avec Isaac Asimov qui voulait faire tout relier. Mais le savait-il vraiment? Je pense qu'il a une vision à long terme. Là, il est assez impressionnant. Je pense qu'il est vraiment immergé dans ce truc et qu'il sait où il va déjà très longtemps à l'avance. Je fais une parenthèse, je viens de penser dans les one-shots pas très longs qu'on peut lire pour se faire une idée. Il va y avoir bientôt une édition anniversaire de Warbreaker qui va sortir, qui sort en français dans le courant de l'année. Ça, d'accord. Je sais que c'est annoncé puisque ça a été annoncé par le livre de... Enfin, Sanderson l'a annoncé via le livre de poche récemment. Donc c'est une des parutions de cette année, c'est Warbreaker qui est un roman alors indépendant mais dont des éléments vont se retrouver plus tard dans les archives de Rochard, mais qui se... Et donc là, c'est pour quelqu'un qui vient. Si je suis quelqu'un, je voudrais découvrir du Sanderson, mais je suis pas trop fantasy. Alors, soit je peux tenter avec L'âme de l'empereur, parce que je pense que c'est une bonne approche pour voir si la personne se sent d'entrer dans un univers de fantasy, mais de manière assez brève. Sinon, je sais que j'ai une amie, par exemple, qui n'en lit pas du tout. Je lui ai fait lire la trilogie Légion, qui en général marche bien avec les gens qui sont pas forcément attirés vers l'héroïque fantasy, parce que Légion... On est plus dans, je ne sais pas si c'est la science-fiction, mais on est dans, en tout cas dans le monde contemporain. Simplement, on a un personnage qui a un cas psychiatrique unique. Il a des hallucinations que lui perçoit comme des individus. Et il vit dans une grande maison avec ses 40 hallucinations qui l'accompagnent pour faire des enquêtes et qui ont chacune une personnalité. C'est hyper drôle. C'est extrêmement émouvant sur la fin. C'est très court. C'est une bonne lecture de vacances sur la plage, par exemple. C'est une série que j'ai adorée, qui gagnerait à être mieux connue. Et qui ne demande pas un gros effort, je dirais, de projection dans un monde imaginaire, puisque c'est très proche de notre univers. Et je trouve que tu en parles très très bien. On va dire que tu es très bien placé pour en parler. Et moi, pour Légion, j'ai toujours été étonné, parce que quand on voit la multitude d'adaptations, séries télé et tout ça, j'étais très étonné que... Enfin, je suis toujours étonné qu'on n'annonce pas une adaptation en... Tu sais, la fameuse adaptation Netflix qui fera qu'une saison, mais au moins une adaptation. J'étais très étonné, justement, parce que ça serait un format, je trouve... Ça serait très bien. On me demande souvent, d'ailleurs, si c'est le livre qui a donné la série Légion, ça n'a aucun lien. Oui, voilà. Et je pense que ça s'y prêterait bien, mais ce n'est pas considéré comme un de ses livres les plus emblématiques. Et je pense que spontanément, on va vers les livres beaucoup plus visuels, comme c'est pas étonnant que ce qui soit en projet, c'est Fils des Brumes.
les combats d'Halo anciens qui ont des pouvoirs en brûlant des métaux qu'ils absorbent. Ils absorbent des copeaux de métaux qu'ils brûlent, ça leur donne des pouvoirs qui leur permettent notamment de voler dans les airs en prenant appui sur des points métalliques au sol. Enfin, c'est hyper complexe. Mais on visualise tellement des scènes de combat de Kung Fu que c'est évident qu'on part vers ça. Légion, ce serait quelque chose de plus facile à adapter, je pense. Mais c'est vrai qu'on n'y pense pas en priorité. Ça coûterait moins cher en effets spéciaux, c'est très clair. Et là tu mets le point sur aussi une des énormes qualités de Sanderson, c'est ses descriptions d'action et un style très cinématographique, style très dynamique et qui est d'autant plus renforcé que, si je prends, vu qu'on en a beaucoup parlé, les archives de Rochard, il n'y a pas tant de combats que ça, il y a de l'action, mais il n'y a pas tant de combats, mais soudainement, quand le combat explose... Waouh, c'est voilà les pages. Il y en a un qui se passe dans les airs pendant une tempête, mm-hmm. à l'intérieur d'une tempête, et il y a le fameux prologue. Je pense qu'on peut en parler, mm-hmm. c'est pas vraiment un spoiler. Le fameux prologue, donc ce roi Gavilar est assassiné par un assassin à la vue de tous, un assassin habillé en blanc et vraiment bien visible, qui se déplace sur les murs. Il a un pouvoir qui lui permet de faire changer les directions. Le haut va être d'un seul coup sur le côté. Ce qui fait que la gravité la tire sur le mur au lieu de la tirer vers le sol. Ça donne un assassinat extrêmement spectaculaire. Oui, et quand ça commence, ça fait ouh là, c'est. Tu as tout à fait raison là-dessus. C'est comment prendre l'attention du lecteur. Ça, c'est assez évident. Qu'est-ce que toi, parce qu'on sait, donc tu écris également. Qu'est-ce que Brandon Sanderson. Est-ce que Brandon Sanderson, dans le fait de le lire, dans les structures d'histoire, puis toi, tu es la première lectrice, hein, j'ai envie de te dire, pour le public français, il t'a amené des choses ? Je ne pense pas qu'il m'ait influencé directement, dans le sens où on a des univers extrêmement différents. À la limite, je pourrais me rapprocher, moi, de quelque chose comme Légion, mais le côté humoristique en moins. Légion est peut-être quelque chose qui m'a... plus touché. Le troisième a vraiment résonné très personnellement. C'est même étrange. Mais sinon, étant donné que je ne fais pas du tout ni des pavés, ni de l'heroic fantasy, ni des scènes d'action, ni... moi, je fais de la nouvelle fantastique, j'allais dire intimiste. Pas forcément, mais de la nouvelle focalisée sur un personnage à un moment de son histoire. Donc, c'est pas du tout la même chose. Je dirais que la traduction me permet d'exercer l'écriture. Je dis toujours, je fais mes gammes. Comme je n'écris pas souvent, la traduction me permet de continuer à apprendre la fluidité, à enrichir mon vocabulaire, à acquérir des automatismes qui ensuite vont m'aider dans l'écriture. Mais je ne pense pas que Sanderson en particulier puisse avoir une influence sur mon imaginaire parce que son imaginaire est à milieu du mien. Et justement, oui, le plaisir de m'immerger là, c'est de m'immerger dans quelque chose que moi, je n'écrirai jamais. Et on arrive à la fin de l'émission. Moi, c'était la dernière question que je voudrais... Tu as déjà rencontré en vrai Brandon Sanderson ? Plusieurs fois, oui. Il est venu plusieurs fois en France pour des signatures ou des festivals. Alors... justement, ma dernière question, c'était quand tu l'as vu, quand tu t'es dit, oh là, je vais ouvrir une porte, il va être dans la même pièce que moi. Quel était ton, j'allais dire, c'est ce que Judi Dench a écrit un bouquin là qui est sorti sur Shakespeare et dit, et le titre c'est celui qui paye le loyer. Et quel était ton état d'esprit juste avant, parce que de rencontrer quelqu'un que tu ne connaissais finalement que par les mots et puis avec une relation particulière? J'ai rencontré plusieurs fois des auteurs que j'ai traduits. C'est pas le premier que j'ai rencontré. Et au moment où j'ai rencontré, il était venu aux Utopiales au moment de la parution de Fils des Brumes, donc c'était il y a longtemps. Mm-hmm. J'avais que 3 livres de lui. D'accord. Et encore, je ne sais même pas si le troisième était sorti. Enfin, c'était encore tout récent. Donc fatalement, j'étais émue, j'étais touchée parce que je l'avais traduit. Mais à ce moment-là, ce n'était pas encore ce que c'est quand je le vois maintenant. Mmh. C'est-à-dire que je l'ai rencontré comme j'ai rencontré Graham Joyce, comme j'ai rencontré d'autres auteurs que j'ai traduits. Il y a ce lien, en fait. Il y a un lien avec le texte et on est ému de rencontrer la personne. Je suis à la limite plus impressionnée maintenant parce que j'ai passé tellement d'années, entre guillemets, dans sa tête que j'ai du mal à faire le lien entre quand j'ai la personne en face de moi, de me dire cette personne que je vois et avec qui je suis pas en train forcément de parler de traduction, d'ailleurs on en parle assez peu, c'est la personne dont l'esprit habite avec moi pendant toute mon année de travail. Je sais des choses sur lui, j'ai une idée de sa vision du monde, je sais beaucoup de choses que je n'ai pas eues par des conversations avec lui, que j'ai eues par ses textes. Étrangement, ça m'intimide de plus en plus à mesure que le temps passe et que le phénomène grandit.
Puisque ça sera quand il y aura la première, le film ou cette fameuse première œuvre extra-roman et que soudainement... Tu sais, quand il y aura le bandeau « Maintenant, une série télé » ou « Adaptation du film » ou cette chose un peu triste où on changera la couverture et puis on mettra l'affiche du film à la place. Sous réserve éventuellement que ce soit réussi, parce que j'ai déjà vu une série télé adaptée d'un livre que j'avais traduit. Un livre de Killian Ford s'appelait Morsure et la série s'appelait Bitten. Mm-hmm. Alors il paraît que c'est devenu meilleur ensuite, mais la première saison c'était une catastrophe. Une catastrophe absolue. Je suis même pas allée au bout en fait, parce que ça me faisait mal de voir les personnages que j'avais tellement aimé devenir ce qu'ils sont à l'écran. Mais s'il pouvait y avoir une vraie bonne adaptation qui rende justice, donc a priori sera Fils des Brumes en premier. Moi, je rêverais de pouvoir envoyer les gens autour de moi qui ne sont pas lecteurs de ça au cinéma et dire « Voilà, vous allez voir sur quoi je travaille. » Même moi, je déteste les scènes d'action au cinéma. Je rêve de voir des combats d'Allemancien. Ah oui, je suis d'accord avec toi. Parce qu'il y a une vraie force là. Je sais plus s'il y a une adaptation bande dessinée. Je sais plus si... aux États-Unis j'ai cru lire ça, parce que c'est quand on parlait de style visuel, hein, évidemment ça faisait penser. Je vais revérifier puis je mettrai ça en description de la vidéo. Bon, en tout cas, je te remercie Mélanie pour l'heure que nous avons passée ensemble. Merci à toi. Alors tu es encore en train de traduire du Sanderson? Oui, bah, j'arrête pas. Enfin, de temps en temps, je fais des pauses pour d'autres, mais là, j'ai un planning sandersonien très chargé. Voilà, donc tu vas avoir tous tes collègues. Bah, en tout cas, donc, un grand merci. Merci d'avoir parlé avec passion de cet auteur. Également, donc, hein, voilà, y a beaucoup de choses. De toute façon, on remettra, puis on fera les liens aussi à Rollis TV sur les critiques qu'on a pu faire quand les livres sont sortis, comme il y en a beaucoup, alors c'est un petit peu éparpillé dessus. Et puis bien, nous te disons à très très bientôt, et comme toujours, bien, attention, c'est la piège, le dernier mot de la fin est pour l'invité. Alors je te laisse avec le dernier mot de la fin, avec le mot de la fin, parce que si c'est le dernier, c'est que c'est de la fin. Merci. C'est sobre, mais il y a une des choses, c'est que c'est toujours très efficace. Je vous dis, pour un temps à moi, à très bientôt pour un nouveau Café Rôliste. Que vos parties soient belles.